Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Alors aujourd'hui, on va commencer le let's play de Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. J'ai fini Final Fantasy VII Crisis Core, je vous avoue que ça m'a encore fait des frissons. La fin, elle est juste magnifique, mais maintenant avec tout ce qu'on sait sur Final Fantasy VII Remake, ça me redonne la joie, je suis pas triste parce qu'on va sûrement avoir un futur pour Zack et ça, je suis trop content. Mais j'ai pris un qui est monumental à refaire FF7 Crisis Core. Alors aujourd'hui, dans la logique des choses, on va continuer avec Dirge of Cerberus. Je vous avoue, à l'époque, je me rappelle, j'avais même pas fini le jeu. Je crois que j'ai fait deux premiers chapitres et je m'en souviens même pas. Ça veut dire que ça va être une pure découverte et j'ai vraiment hâte. Normalement, à l'époque, je me souviens bien, le gameplay, ça m'avait un peu frustré, je vous avoue. Je vais pas vous mentir, ça m'avait un peu frustré. Mais j'espère que je vais avoir de bonnes surprises. En tout cas, je suis content de partager ça avec vous. Vous étiez nombreux à me demander un let's play sur Dirge of Cerberus. Ne vous inquiétez pas, le let's play sur Final Fantasy IV continue. Mais en fait, voilà, j'aime bien avoir dans la chaîne deux let's play en même temps. Vu que je viens de finir Crisis Core. Mais normalement, vous, au moment où vous voyez cette vidéo, le jeu il sera déjà fini. Parce que moi, au moment où j'enregistre la vidéo, je dois encore mettre trois épisodes sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, Final Fantasy IV est toujours en cours de parution. Moi-même, je dois le finir de toute façon. Mais voilà, moi, j'aime avoir deux let's play en même temps. Comme ça, ça fait plus de contenu pour moi et pour vous. En tout cas, c'est parti pour Dirge of Cerberus. Vous êtes prêts? C'est parti. On va jouer en normal, hein. Moi, c'est surtout pour l'histoire. Et on est parti. Bon, cinématique. Je vais enlever ma vieille tronche. Bien aimé l'avoir en japonais quand même. Hein. We're all done here. How about you? Stylé, beau gosse. But Yuffie, I want you to check the Mako cannon. But we already. What? What the? Just as I thought. Hold on. Hold on! This is crazy! There's no way anybody could be up there, no! Yuffie, rendezvous with Cloud and the others. It looks like I still have some work to do. The rendezvous. Hey, whoa! On a un petit peu la voix à la Metal Gear, la Solid Snake. Colonel! T'inquiète, c'est Vincent, il gère. Enfin lui, parce que moi je gère pas du tout. Hein. On a la patte Square Enix, hein, faut dire ce qu'il y a, les cinématiques, c'est juste génial. Sa cape, on dirait la cape de Spawn, on dirait qu'elle est vivante. Oui. C'est Ojo. Mais non. On se rappelle, c'est après Final Fantasy VII. Hein. C'est au jour, non? Ah, j'aurais kiffé l'avoir en japonais, bordel. Trois ans plus tard. On dirait l'intro de Metal Gear quand il sort de l'eau là. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII Compilation. Oui. Oh, Lucretia. So,
We meet again. Lucrezia. Lucrezia. I'm sorry. I'm so sorry. Elle est désolée parce qu'elle est partie en couille dans l'histoire. Il a de la gueule. Why? I'm the one. Tout le monde apologize. Puis encore le même téléphone. However, the group's whereabouts still remain unknown. What really happened down there? Tonight, for the first time, we bring you the final transmission received before all contact was lost. For the past 3 years, this door has remained sealed. However, that seal's about to be broken. There are no records of this place located deep beneath the Shinra building, another of the company's secrets revealed recently. According to investigative reports, there is evidence that thousands of people were once transported here. If rumors of the Shinra company conducting human experiments are true, then this may be where those nefarious deeds were carried out. To bring you this exclusive... Il y a pas les sous-titres là. Ils sont où là? Ils sont à Calme, non? I want this one. Tic 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 tic. Ouais, je crois qu'il soit calme. C'est stylé. Ça doit être deep ground. T'as des ninjas. Ouh, il doit viser des... C'est des infectés. Ouais, c'est la Shinra. Oh, il rigole pas. Quel tueur. Beau gosse. Il est trop fort. C'est désinfecté, je crois. C'est stylé. Je suis le vengeur de la nuit. My name is Vincent Valentine. C'est un style. Un océan de flammes. Eh, c'est stylé, n'empêche, hein. Ouais, pour eux, ça passe super bien, c'est magnifique. What's going on? What's going on here? Analyse, groupe sanguin, masculin, Valentine. Bon, ça a de la gueule. Found you. C'est qui cette conne? Oui. Mort ou vif. Ou direct. R1 pour tirer. Carré. Ok. Alors. L1 tire. L2 charge. Ok. Continue. Potion. Non, pour utiliser un objet sélectionné. Ok, c'est avec gauche-droite. Ok. Je vais rengonner mon arbre. Ok, carré.
Ah, il pourrait monter un peu plus vite par contre. Hein. Ok. Ok, plus t'es proche, plus tu fais de dégâts. C'est bizarre. Le gameplay m'a l'air d'être bon. Comment ça se fait qu'à l'époque j'ai pas aimé? Oh. Tiens, mange. Ok. Des balles de fusil. Des guilds. Sauter, c'est où sauter? Ok. Faut que je m'habitue. Hein. Ok, ça a l'air d'être par là. On va quand même aller visiter ici. Ah, il y a un coffre là-bas. Franchement, pour l'instant, le gameplay, moi j'aime bien. Comme... Qu'est-ce que j'étais con à l'époque? Ok, potion. Voilà. Voilà, j'ai remis mon énergie et j'ai inutilisé une autre. Vincent Valentine. Attends, je vais vite vérifier que le micro il est bien mis. Ouais. Ok, chargé. Ah non, franchement. Potion, hop, tu reprends. Ok, voilà. La musique, elle est bien, la musique. Là, de la gueule, purée. Me dis pas que c'est David Hayter qui fait la voix, quand même. David Hayter, c'est celui qui fait la voix en anglais de Snake. Enfin, les premières voix, en tout cas. Oui. Protéger les civils. Vous les touchez pas, bande d'enfoirés. Enfoirés. Vous ne touchez à personne. Ok. Charge. Alors, vous découvrez une source de Mako. Marchez sur la source en absorbant l'énergie. L'énergie Mako permet d'utiliser la matéria. Ok, pour l'instant, j'ai pas de matéria. Matéria brasier, il suffit de demander. Ok. Modifier. Cerber, canon standard. J'ai pas. Ah, matéria. Ok, et normalement, si j'appuie sur L1, je peux tirer. Ah ouais, effectivement, L1. Are they still out there? No. Not anymore. Je suis sûr qu'on dirait la voix de David Hayter. All right. Come on. Mais je pense pas que ce soit lui. Yeah. Parce que la voix de Solid Snake et David Hayter, les gars, là, elle est trop stylée. Y'a rien. Ok, c'était pour sauver les civils. On va continuer encore à droite. Let's go, kids. Thank you. No problem, kids. The Metal Gear. Y'a rien. Ok, on y va. 500 guilds. Maintenant, ce qu'on va faire avec le fric. Bon, je regarde cet écran ou celui-là. Bon, les gars, je vais regarder l'écran qui est là parce que j'ai une meilleure qualité d'image. Parce qu'en fait, c'est la lumière qui me bousille. On va aller par là, c'est mieux. En tout cas, j'espère que le cadre avec ma photo, il vous prend pas la tête. Hein. J'aime bien le design des vaisseaux. Tiens, mange.
vérifier quand même, voir s'il y a quelque chose. Hein. Attends, hop. Voilà. Alors. Dim Grand utilise des barrières pour appeler les gens. Ok, il faut que je trouve la clé, ça va être sûrement sur... Oui. Faut vraiment attaquer de près, hein. Oui. Oui, ça va, il y a un dash, ça va. Madame, désolé, t'avais qu'à pas être là. Ok, j'ai récupéré la clé. Sauver un maximum de civils, si j'ai bien compris. Mais purée, me dis pas qu'ils sont morts. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre un hélicoptère, moi? Ok. Le gameplay, franchement, il est bien. Alors, vous pouvez activer votre limite break transformée en bête calier en utilisant la limite break. Le limit break n'est actif que pendant une durée limitée. Ah ouais, ok, tu l'utilises comme si c'était un objet en fait, attends. Potion, potion plus limit break. Ah ok. Ah ouais. Ok. Ok. C'est dynamique, franchement, moi j'aime bien pour l'instant. Oui. Non, 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 non. Over here. Sauf, j'aime bien cette lumière bleue, ça fait organique comme ça. C'est un... Oh merde, ils veulent la mer. Purée, c'était de quel côté? Oh, moi, je t'ai venu de la vite. Oh non! On s'habitue au gameplay en fait, c'est tout. J'arrive, j'arrive. Ok, c'est en haut. Ah, il est là. Est-ce qu'il faut... La mer, elle est où? Oh, ça va, elle n'est pas morte. J'arrive, j'arrive. Ok, des guilds, ça peut toujours être servi. C'est quoi ça? Petite potion, hop. Voilà. Et ouais, quoi? Il va y avoir des ennemis, je crois. Ouais, et quoi? Ah ouais, fallait tuer le chien. Comment il fait le beau gosse? Il fait le beau gosse! Rio! Excellent. La musique, les musiques, elles sont bien. Hein. Ok, c'est quoi ça? J'avais gagné une carte, hein, normalement, non? J'espère qu'on aura d'autres flingues. Trouver la clé, d'accord. La musique, j'aime bien.
Vite, 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 vite. Voilà. You should be all right. It should be all right, man. C'est trop fort. C'est les bons vieux héros des années 90, ça. Alors, hausse de sniper pour attacher un accessoire modifié. Ok. Modifié. Hausse de sniper. On va avoir une meilleure visée normalement. On peut même ici voir dans le coin. Ok. Ok. Ok, c'est quoi ça? Carte clé, c'est ce qu'il fallait. Mais on va quand même checker. Je préfère garder le viseur, ça passe mieux, je trouve. Ouf! Ouf! I'm still alive! Yes, ma'am! Oh, you don't know how grateful I am! T'inquiète! Thank you so much! No problem! Have a nice day, farm! J'en suis sûr que ça aurait joué sur la note que j'irai à la fin du stage. Ok, je les ai sauvés, on est d'accord, maintenant c'est la carte clé. Ok. Ok. L'ambiance, elle est franchement, elle est vraiment. J'étais un sale connard à l'époque, hein. Faut dire ce qu'il y a. C'est vrai que le viseur, il aide à. Gameplay dynamique, franchement. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Et je peux surtout comprendre que moi, à l'époque, j'ai pas aimé. Que de Phoenix. Piston. Ok. Jet pour pistolette. Purée, je suis un sale sniper. Comment tu fais pour récupérer ça? Lâche plein de pattes. C'est un objet ou pas? Bizarre. Canon longue portée. Pour attacher une pièce, le canon augmente la puissance. Ok. Ok, alors modifié. Canon standard. Et hausse de sniper. Pourquoi ça n'a pas équipé la matérielle? Ah, c'est une autre arme. Ah, ok, j'ai une autre arme là. Potion plus. On peut pas, j'ai pas de place. Si. Non! Oh le con! Vite, vite, des ennemis! Putain, le connard que je suis, quoi! Ça a de la gueule, putain, ça a de la gueule. J'étais un sale connard quand j'étais plus jeune. Ouh, on va se faire contre l'hélicoptère. I'm right. Groupe sanguin. Ok, il y a des barils un peu partout, ça veut dire qu'on va les utiliser contre les ennemis. Vite, vite, je suis en train de perdre là pour rien là. Il y a pas des ennemis. Oh. Ok, on peut tirer, ça va. Yeah.
Oh, c'est bon, ok. Chouette, franchement, c'est chouette, je suis dedans. C'est clean, hein. C'est stylé la façon dont ils déposent. Ça vraiment, on dirait des robots, ils sont pas humains. Enfin, on les dépose comme des objets, c'est stylé, j'aime bien. Ok, on va viser les barils. Ça dure longtemps la limite break, hein. Ok. Gilles, mange. Ok, ok, ok. Bon, maintenant ils sont pas encore morts. Tiens, potion. Hop. Bon, il est où celui-là? Ah, il y a des ralentissements. Coup de matériel. Ok, ok, ok. Ça, putain, la matériel brasier, elle s'enlève. Hein. Oh, gosse. Ah, de la gueule, c'est stylé, ça fait typiquement années 90, fin années 90. J'aime trop. Ah, c'est toute ma jeunesse aussi. Celle-là, elle fait partie de Deep Ground. Vincent Valentine. Oui. We found you. We found you, man. Is this the one? Yes. Is this the one? C'est l'un d'entre eux. Ça m'intrigue, hein. C'est vraiment intriguant. Hein. Pour bureau, on va quand même checker. Queue de phénix, on peut en avoir que une. La carte avec en haut. Ok. Donc c'est bien, on peut rentrer. Alors, ah, magasin, jukebox. Vendre. Ok. On refait du stock. 500 giles, ok, ça c'est, on sait jamais que t'as pas d'argent. 500 giles, ok. Ou 500 gills, comme on le dit dans le bouchonnois. Pistolette, pistolette, on peut pas ouvrir. Ok. Canon court. Pour attacher cette pièce à votre arme sélectionnée, le canon court rend votre arme plus légère et augmente sa cadence de tir. Ok, on va tester les gars, on va tester. Cerber. Possible d'enlever avec une autre pièce. On va voir, hein. Ça c'est sûrement pour le combat au corps à corps. C'est stylé, c'est stylé. Je kiffe ma race. Oui. Oui. Déjà. My name is Wolverine. Serval pour les Français. Tell us where it is. Sa tête, elle est pas un peu grosse pour son corps. Là, les jambes, vous avez un peu déconné, là. Putain, voilà ce Voice. Ave, Wis. Eh, oui, c'est ce qu'on avait dit avec... C'est le personnage qui était avec... Ralentissement.
Eux sont là, ils regardent, normal. Avec Genesis. Challenge accepted. This way. You're lucky, guy. Luck is on your side. Ah, la chance est de ton côté, connard. Quel monstre! Oh. I'm sorry. I am Azul. We will meet again. My name is Azul. Ça a de la gueule, ça a de la gueule, les gars, ça a de la gueule. What happened here? Vincent. Ouh, Riv. Poor girls. Are you all right? Riv. Mm-hmm. Riv. Nice to see you again. Not a very interesting outfit, though. Pas mal. It took me a while to decide which costume I'd put on for today. Ah ouais, c'est la fête, ouais. But enough of the small talk. Who are those soldiers that just left? I don't know. The large one called himself Azul. Azul. A raven. Azul, the Cerulean? Of the Sviet? Of the Sviet? Then that could only mean... Commissioner! Commissionnaire. We'll discuss this later. WRO troops have arrived. Je vais quand même remettre le canon long, je préfère. Could use your help, Vincent. Il est pas assez puissant, même si ça fait des grosses rafales. Brave, be careful. I don't know what you're up to, but I want absolutely no part of it. Pouah, c'est trop lissé, c'est trop beau. Normalement, c'est pixelisé de ouf. We need your help once more. Mais j'ai tué Riv. C'est quoi? Riv. C'est quoi ces couilles? Oh. Hein? Oh putain, les couilles! Oh putain, trop fort! You're really not a bad bloke, are you, Vincent? Ah, you pretend not to care, but you always come through in the end. C'est trop fort! C'est bien parce qu'on l'entend parler. All right. On voit que ça. What do you want me to do? Il est joyeux, tu vois. Let's run those lads out of town. I'll leave the method up to you. When you've tidied things up, meet me at the square in front of the East Church. Excellent. J'ai kiffé. Hein, t'es trop fort. Trop fort. Ça s'appelle l'ascenseur émotionnel. Excellent. Modifier. On va mettre le canon long. Ok. Alors, ce canon peut améliorer la précision des tirs de la plupart. Ouais. On va laisser ça. Ici, j'ai pas encore. Ok. Je recharge. C'est bon. Ok. On va pas gaspiller. On sait jamais qu'il y aura d'autres. Sûrement qu'on va revenir ici. Ok. Franchement, le gameplay il est intéressant, hein. Ils sont. What's wrong with you? C'est bien, tu peux utiliser les consommables facilement. Franchement, moi j'aime bien. Y'a pas une source de Mako. Je veux une source de Mako, les gars. Y'a pas. Non. Ok, ben voilà, il suffisait de demander. Y'en a même deux. On va garder l'autre. Ok, hop, voilà. Nickel.
Ok, parfait. Ah ben là, je peux plus la gaspiller. Hein. Bon, toi, la réserve de ma cour viendra après. Hop. Vénopénion. 500 giles, potion, potion. Ok, on reviendra les chercher plus tard. Are you alright, sir? Sir! Mr. Vincent Valentine. I'm an officer with the World Regenesis Organization. Non, tu raisons. Ah, ok. Speak with me if you require any assistance. Je veux rien du tout, je veux tout découvrir. Ah, ouais, là, non, ouais, à la limite. J'ai besoin de rations. Sir! Sir! C'est quoi ça? Ces rations nutritives conçues régénèrent quelques. Ok. On va en prendre un, juste pour test, voilà. Ok. Parlez-moi de l'ORM. Sir. The WRO was originally established 3 years ago after Meteor Fall. The Genova war hero Reeve Tuesti at its helm. Our organization is dedicated to aiding the healing process of the planet, as well as protecting it from any who attempt further harm. Style, où se trouve l'église? Sir. Proceed to the East Church, just past these buildings. Hurry, we will assist you in securing the area. Non, ça va, merci. Over here! I'm all right, man. Hurry! Just stay back. Wait for me! Come on! Vite, 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 vite! Sir! George! Over there! Okay! Griffon, pour équiper cette arme, modifier mon principal, tir élevé. On va tester, modifier, Cerber, Griffon. J'aurais voulu aller à droite. All right, ma'am, watch your backs. Has Alpha Route been secured? Any word from the battalion? Safety of the residents is our top priority. Deep ground! Deep ground! Pas crier, putain, cache-toi et mitraille-les. Purée, ils sont où? Ah, oh, ils ont tué des civils, purée. Thank you very much. Ok, on revient à la place centrale ici. Il n'y a rien. Non, vite, vite, ils sont où? Ça, c'est dégueulasse par contre. Pas facile de viser avec cette arme. Ok. Vraiment, certaines armes, faut prendre le coup. Hein. Yes, sir. Glad you're on our side, sir. No problem, sir. Let's get going. Stay back. My name is Solid Snake. Soutien Cerber. Modifier. Je vais quand même remettre le. Enlever. Bien. Ok. Hausse de sniper. Soutien Cerber. Cet accessoire augmente légèrement la défense. J'ai besoin d'attaque, les gars. Ah, ok. Ah, il fait un double saut. Ah, excellent, j'avais pas vu. Ok. On va voir pour récupérer des cartes. Ah, tu peux faire des combinaisons d'armes. C'est bien ça.
franchement, pour l'instant, le jeu... Bah, nickel, hein. J'ai été un sacré connard à l'époque, hein. Bon, faut aller où, là? Je peux pas planer à la Raziel, dommage. Non... Ok, c'était ici qu'ils étaient en train de s'entretuer. Ok, on va peut-être retourner ici. Deep ground. Voilà, je reprends des... Ok, c'est fermé. Il y a deux entrées comme on peut le voir, mais le souci... C'est que j'ai pas de carte. Ok. Je sais pas si j'avais récupéré une carte. Je couperai au montage si ça dure trop longtemps. On est clair, il n'y a rien. J'ai peut-être récupéré une carte en fait. C'est quoi ces objets là-bas, purée? Il y en avait un dans la fontaine, je pouvais pas sauter dessus. Utiliser une carte. Ah, peut-être là. Carte clé. On veut du loot. Je veux du loot. Ah, tu vois? Oh lol, les connards. Si j'aurais pris l'autre chemin... J'aurais raté 500 gilles. Heureusement. Allez, on continue. Sniper! On the roof! On the roof? Y'a rien. Alors, ils ont dit sniper, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. It's my job. It's my fucking job. Jette ton pistolet. Ok. On peut pas aller, on peut pas aller, c'est par là. Ça va être le face contre l'hélicoptère, je crois. Ouais. Tu veux faire un face? Tu veux t'en mettre plein les poches? Ok, man, ok. Je vais te bombarder déjà. Je continuerai tant que j'ai de la mana. Ok, ok. Ok, faut viser au-dessus.
Répète tes caisses, bordel. Oh, ça lui fait mal. Je veux des mergiles, là, plus des pistolettes. Pas grave, tu peux me tirer dessus. Oh, potion, pistolet. Allez, faut du pognon, les gars. Voilà. Ah, ok, ah, y a des combos. Ah voilà, vous avez vu. Wahoo! Je t'ai pas oublié, t'inquiète. Ok, limite break, je vais pas la gaspiller pour ce con. Ok, des balles, c'est toujours ça de gagner, il y en a encore. Et voilà. J'ai quand même j'allais rater 1512. C'est beau, putain, comment il fait le Batman? Comment il fait le Batman? C'est moi la justice. Stylé. Oh, quelle mise en tête. Par charge. Excellent. Ça me déchire. C'est typiquement les années 90, le guerrier sombre. C'est stylé. Aujourd'hui, ça peut faire kitsch, mais moi, c'est mon époque et je kiffe ma race. Ah ouais, il y a des gonzesses aussi. Pas de jalousie. Épique. Épique. Ah, le vrai rive. Ça fait bizarre de le voir sans son costume. Quel tireur de choc. Mais c'est stylé, fumer ça de la gueule. Je suis le justicier de la nuit. Yes, sir. Good work, Vincent. The enemy is retreating. It seems they have finally begun their withdrawal from Calm. Good. Good. Let's get going. However, we still require your assistance. Reports our edge is under attack. T'as de la gueule, putain. Résultat, allez, moi un petit A quoi. B, B, B. Rang. Ah. Ah, ça va. Alors où j'ai été nul, ennemi vaincu, S. Précision. Bah écoute, je viens de commencer le jeu. Dégâts subis, j'ai trop ramassé. Coup critique, c'est pourri. Nombre de combos, nickel. Objet utilisé, j'ai trop utilisé d'objets. Magie utilisée, j'ai pas beaucoup utilisé. Mako absorbé. Ah, c'est-à-dire que. Ah, il faut tout absorber en fait. KO 0. 39 minutes. Il n'y avait pas de.
Ennemi vaincu, précision, je suis nul. Ok, Jimmy, ok, ok. Oh non! Civil sauvé, j'en ai sauvé que 19, putain. Fillette sauvée, S. Carte clé trouvée, S. Membre sauvé, oh non. Calcul des points. Alors, ajoutez les XP à votre total. Échanger les XP contre des gilles. On va tester ça. Échanger les XP, non. Force, dextérité, intel. Ah, c'est bien, ouais. Il y a quand même un truc RPG, quand même. Hein. Griffon, canon standard, j'ai déjà canon court, sniper, soutien. Comment ça se fait qu'on peut le réutiliser? Ok, ok. Et voilà, c'est ici que ce premier épisode termine. Eh ben franchement, ben c'est une bonne surprise, même une très très bonne surprise. À l'époque, j'étais con. Voilà, je savais pas apprécier les bonnes choses. Le gameplay, pour l'instant, il faut que je m'habitue un peu à la visée, mais sinon, juste génial. Les mises en scène, c'est les bonnes vieilles mises en scène des années 90. Moi, ça me parle. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être kitsch. Mais moi, franchement, c'est bien. Et avec l'émulateur, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai le jeu officiel, mais je ne peux pas jouer ça sur PlayStation 2 normal, c'est une catastrophe. Mais là, c'est lisse de fou et je kiffe ma race. J'espère que ce premier épisode de Dirge of Cerberus Final Fantasy VII vous a plu comme moi. Moi, j'ai kiffé ma race, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Et en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode de Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Ciao!